Bonjour, une petite vidéo sur aujourd'hui comment s'envoyer des articles web sur son Kindle. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Kindle, c'est une liseuse numérique. Il en existe d'autres, hein, Kobo, etc. Et en gros, l'intérêt de ça, c'est que c'est un écran qui n'est pas rétroéclairé. Donc, vous vous abîmez beaucoup moins les yeux en lisant des articles qui sont longs qu'en les lisant sur un écran de smartphone ou de tablette ou d'ordinateur. La difficulté que j'avais avec le Kindle, c'est que Kindle, donc d'Amazon, a une application officielle qui permet d'envoyer des articles vers le Kindle, mais qui ne fonctionne pas ou plus, et qui gérait mal les sites qui sont derrière ce qu'on appelle des paywalls, c'est-à-dire des sites dont on paye pour lire les articles, comme Le Monde, Mediapart, Next Impact, etc. Et donc ça galère parce que ça ne vous envoyait que l'extrait du début de l'article sur la liseuse. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment. Donc, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut autoriser pour que ça marche? Il faut importer le raccourci dans mes raccourcis sur le Kindle. Ça va vous poser deux questions. Votre adresse mail d'envoi et l'adresse mail du Kindle. Ces deux choses-là se règlent sur. Enfin, votre adresse mail d'envoi, c'est votre adresse perso. Et l'adresse du Kindle, ça se règle sur Amazon. Ensuite, pour qu'il puisse fonctionner, il faut aller l'autoriser dans les réglages et dans raccourcis et cliquer autoriser les raccourcis non fiables. Pourquoi? Parce qu'en fait, des raccourcis, ça peut faire beaucoup de choses sur votre iPad ou sur votre iPhone. C'est à vous de vérifier le contenu. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment un script tout bête hein, qui envoie. Qui donc, d'ailleurs, pourront décrire le fonctionnement pour les curieux. Vérifiez qu'on est dans le menu de partage. Récupère l'URL que vous êtes en train d'exécuter dans Safari. En fait un article. La sauve dans iCloud Drive dans le raccourci Shortcuts, dans le dossier Shortcuts. Et l'envoie par mail à l'adresse de votre Kindle avec un titre qui est prédéfini, qu'il ne faut pas toucher, mais on va y revenir. Ça émet un son et ça affiche une notif quand c'est fini. Et ça s'arrête. Voilà. Donc, ce n'est pas un script nocif. Je le partagerai dans le lien de cette vidéo et sur un article écrit. Et donc, voilà. Et donc, normalement, quand on était sur une page comme ça, là, qu'on veut pouvoir partager avec quelqu'un, c'est cet article avec marqué article réservé aux abonnés, on pouvait faire Kindle et envoyer vers Kindle. Et ça a utilisé l'appli Kindle d'Amazon. Si on va dedans, on est censé récupérer l'article ici. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Hein. L'article n'apparaît pas. Voilà, il y a d'autres articles que j'ai sauvegardés pour faire des tests, mais pas l'article que je viens de m'envoyer. Donc, j'ai fait mon petit script que je viens de vous montrer. Et c'est très simple à utiliser aussi. Vous vous mettez sur l'article. Si vous êtes sur un site dont l'accès est payant, comme Le Monde en partie, il faut vous connecter bien sûr à votre compte utilisateur. Et ensuite, dans le menu, vous allez retrouver Envoi vers Kindle dans les actions. Vous pouvez modifier pour en mettre en avant certaines en favoris, par exemple. Donc j'ai mis moi Envoi vers Kindle en favoris. On clique sur ça. Et là, ce que ça fait, donc ça fait un PDF, que ça enregistre dans les drives, que ça, pour lequel ça compose un mail que vous voyez ici. Donc on voit l'adresse de mon Kindle à mon adresse perso. Merci de ne pas m'écrire sur celle-là. Si vous voulez m'écrire, blog@gonzague.me. L'objet convert, ça fait que Amazon convertit le PDF dans un format plus lisible pour le Kindle. Et on fait envoyer. Donc là, ce qui va se passer assez rapidement, c'est que sur le Kindle va apparaître le fichier. Je vous le montre ici parce que c'est rigolo de le voir en live. Soit il le rafraîchit tout seul, soit on fait actualiser et ça va pour aller plus vite, synchroniser. Voilà, évidemment, ça marche pas encore. Bon, c'est pas grave, il va apparaître. Ah si, voilà. Donc voilà l'article qu'on vient de s'envoyer. Qui donc et avec les photos, alors c'est en noir et blanc, hein, les lecteurs comme ça, c'est souvent les liseuses numériques, c'est souvent des affichages en noir et blanc, c'est très économe en énergie. Et j'ai tout l'article. Bon, il n'est pas si long que ce que je pensais, mais j'ai tout l'article. Voilà, donc on peut revenir sur la page d'accueil. Et moi, je reviens dans ma petite présentation parce que qu'est-ce que ça vient de faire? Eh bien, dans le dossier Shortcuts de iCloud Drive, ça vient aussi de me générer un PDF. C'est le PDF qui a été envoyé par mail, qui est là. Donc ça, vous pouvez aussi vous en servir si vous avez besoin de partager un article avec des amis.
en respectant le droit d'auteur, s'il vous plaît, et ben ça vous fait un fichier tout propre, un extrait du site, sans aucune pub, sans rien, c'est nickel. Et on va aussi retrouver donc ce mail dans mes mails envoyés. Et donc ça a envoyé le mail qu'on a composé là à mon Kindle avec la pièce jointe en PDF. Et donc le titre Convert fait que Amazon en fait automatiquement un truc plus adapté que juste un PDF. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer le résultat si on change le titre. Est-ce qu'on peut changer le titre? Moi, je vais changer le titre. Ah, il ne me laisse pas faire. Je vais faire différemment. Je vais envoyer un autre article, donc celui-ci de Mediapart, mais on ne va pas mettre le titre Convert. Et vous allez voir que ça va me faire un PDF et que le résultat est beaucoup moins bien. Pas le bon, test. Voilà, donc là j'envoie cet article, tout, tout, tout. Même principe. On retourne sur la caméra comme ça. Je vous montre le Kindle et donc dans quelques instants il va recevoir un fichier PDF. Et alors c'est beaucoup moins optimisé pour la liseuse numérique. Sauf s'il a fait. Là voilà, on a l'icône PDF qui n'est pas la même. Et là. Et en fait, le texte, vous voyez, il est tout petit et je ne maîtrise pas du tout la façon dont ça s'affiche par rapport à la conversion qui vient d'être faite. Donc, c'est moins confortable quand même à l'utilisation. On a gardé la mise en forme, mais regardez, un texte converti dans une taille du coup, qui peut être choisie parce que ici, j'ai le menu avec la mise en page, etc. Ce menu, on ne l'a pas sur les PDF. Donc, moi, je vous conseille carrément de faire la mise en forme. Voilà, donc pour résumer, il faut avoir un Kindle, un iPad ou un iPhone et avec raccourci dans la dernière version. L'accès à iCloud Drive, c'est gratuit, et il faut juste l'autoriser dans le script. Le script demande aussi l'accès à vos mails pour envoyer le mail. Si vous voulez faire autrement, vous personnalisez le script. Et ensuite, depuis n'importe quel site avec un article reconnu par le lecteur Safari qui donc sait extraire la partie essentielle de l'information, et bien vous allez pouvoir vous envoyer votre document. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Twitter @gonzague, si vous avez des idées d'amélioration aussi, donc ça aussi sur blog@gonzague.me. Quand vous l'importez, pensez bien à définir les deux variables qui sont votre adresse mail et l'adresse de votre Kindle.